Long. Et voici le nouvel étalon du Haras du Lion, c'est Storm the Stars, l'un des premiers fils de See the Stars qui est rentré étalon en France, avec Zelzal aussi. Storm the Stars est issu d'une des plus belles familles qu'on puisse connaître des temps modernes, puisque c'est un cousin du champion Glenn Eagles, un champion du Mile, aujourd'hui étalon, un cousin de Decorated Knight, un triple lauréat de groupe 1 l'an dernier, lui aussi étalon, qui fait d'ailleurs ses débuts d'étalon cette année, un cousin de Coolmore, un cousin de Happy Lee, la dernière lauréate du prix Jean-Luc Lagardère, une pouliche, et oui j'ai bien dit une pouliche, qui avait battu les mâles dans le prix Jean-Luc Lagardère, c'était il y a quelques mois sur la piste de Chantilly. Storm the Stars, un fils de See the Stars, avec une mère par Sadler's Wells, la mère avait été achetée 2 100 000 dollars par Summer Wind Farm, Summer Wind Farm, qui est l'éleveur de Storm the Stars. Une autre sœur d'ailleurs de Giants Causeway a été achetée, elle, pour 2 700 000 guinées. Bref, une autre planète par Godolphin. Une autre planète, mais qui est accessible ici devant vous grâce à Storm the Stars, qui fera la monte à 4000 euros la saillie pour sa première année de monte. Il nous arrive d'Australie, c'est pour ça qu'il est marqué au niveau de son épaule. Et on va faire parler François Thomas dans un instant, effectivement, du Haras du Lion. Je vous l'ai dit à demi-mot, ce Storm the Stars est également un tout proche parent du champion Giants Causeway.